بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل نشابك لو ميراث لريتاج de سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم avant dernier chapitre dans nos livres alors hadith 400 Imam al-Tirmidhi رحمة الله تعالى عليه rapporté حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه رابوته إذا جاءت فاطمة إلى أبي بكر رسول صلى الله عليه وسلم ستفي فاطمة رضي الله عنها لألقد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه donc nous comprenons c'est après wafat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous connaissons qui dans sept enfants qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam tiena donc une seule qui fin résivant c'est Fatima radiyallahu anha donc après ce wafat il y a le côté Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu qui premier calife donc faqalat il dit man yarithuk qui sont là qui pour hérite où ça veut dire Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu il peut redemander quand ou faire wafat ou qui sont là qui pour hérite ou qui sont là qui pour vin ou héritier فقال لا يريبون لي أهلي وولدي. Il dit moi la famille et moi mes enfants. Ce qui normalement, généralement, dans l'Ummah, tout le monde est héritier supposé venir. Si nous posons cette question-là à n'importe qui du monde dans l'Ummah, il peut répondre pareil. Ahli wa waladi. Ce qui Sharia fin décrété comme étant ban héritier quand on dit mon mot. Alors nous comprenons qui Fatima radiyallahu anha. Les PIC dressent un parallèle entre Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu qui est le chef de l'État avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que vous trouvez, il continue de dire فقالت de dire مالي لا أرث أبي. Ben moi qui arrivé qui mon papa gagne l'héritage depuis mon papa. Moi enfant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait mon papa gagner l'héritage? فقال أبو بكر أبو بكر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مفنتان رسول الله صلى الله عليه وسلم زي لا نورث وشائنا certaines les autres روايات لا نورث ça veut dire nous les mettre au pluriel nous ça veut dire les plaisir les avec tout ban ambiya tout ban prophète عليه وسلم et là certaines روايات mentionnées à l'ambiya nous ban prophète nous pas quitte l'héritage matériel. Ça veut dire, ben, quelque chose qui nous quitte, je te quitte, et non, ben, l'héritage, mais il n'est pas partagé à, je te ban héritier, je te ban famille, je te ban enfants, pareil comme à tous les autres du monde. Alors là, nous trouvons différence. Donc, c'est Abu Bakr, radiyallahu anhu, ce ban enfants, ce ban héritier, hérite, ce ban dit bien, mais Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, ce enfant, pas gagne ce dit bien. Parce qu'il y a un prophète, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit nous nous n'avons pas quitté l'héritage matériel. Ça veut dire nous avons une famille pas hérite nous l'héritage matériel. Hier, nous avons eu l'occasion de dire qui a quelque chose que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a quitté. Parmi les affaires, il y a une valeur, il y a un bout de terrain, il y a une mule, il y a une hommes qui l'ont quitté. Après, nous trouvons les autres quelque chose qui est moins valeureux que ça, une linge qui est fine. Mais nous trouvons ça, bout de terrain là aussi, l'inal dans le film donne ça dans Sadaqa. Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, sa réponse là, il y a une réponse shari'i. Shari'i, ça veut dire légalement d'après Sharia. Qui lit quand il quitte quelque chose, ce sont des enfants, pareil comme à tout le monde dans l'Ummah, ce sont des enfants hérités. Ça c'est réponse shari'i. C'est là que vous trouvez Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, quand il fait faire wafat, tout ce qu'on dit bien, les filles remettent dans Baytul Mal. Les filles prennent ce dit bien, les filles remettent dans Baytul Mal. Donc, possiblement avant qu'il y fait Wafat. Donc, nous comprenons ce qu'on famille, pas une gain sur l'héritage parce qu'ils mettent tout dans Baytul Mal. Mais seulement quand ils répondent, ils disent, moi, mes enfants, ahli, wa waladi, mes familles, mes enfants. Ça, c'est une réponse, shari'i, qui, généralement,
d'après Sharia, nos bonnes familles, nos enfants, supposés hériter. Donc, nous trouvons la source, Assalam, bien nous, ben, prophète, nous pas, quitte les, nos bonnes familles par gagner l'héritage matériel. Et là, Sayyidina Abu Bakr, radiallahu anhu, lui continue sur réponse, lui dit, voilà qu'il n'y a'oulu ala man kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ya'ouluhu wa unfiqu ala man kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yunfiqu alayhi. Il dit, mais seulement moi, me prends compte, me prends responsabilité de Bandimoun qui tissue responsabilité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il appelle ban ayal. Par exemple, ban épouse, ban les autres dimoun qui, dans la case, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il prend cette responsabilité. Les supposés provide pour eux. Alors, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait wafat, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, lui prend sa responsabilité là, lui provide. En tant que calife, mais aussi en tant qu'un dimoun qui proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Là, il dit aussi, me dépense l'eau bandimoun, l'eau lequel Rasul sallallahu alayhi wa sallam, tu peux dépenser. Et d'abord, les autres qui passent sous responsabilité de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement tout le temps, ils dépensent les autres, tout le temps, ils donnent les autres. Par exemple, un ashab ou souffre avec les autres encore, nous connaît Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est extrêmement généreux et donc tu as beaucoup du monde qui tu peux manger depuis sur la main, une façon de dire. Donc, Sayyidina Abu Bakr radiallahu anhu, il continue à faire sa bonne dépense là. Alors là, nous venons l'Osama Slala qui est le prophète, alayhi wa sallam, j'ai l'héritage pas partagé parmi j'ai ban héritier. Alors nous trouvons que le vrai héritage de ban prophète, alayhi wa sallam, c'est l'ilm, la connaissance. Alors nous réitérons ça encore. Il est important, nous rappelons-nous tout le temps, régulièrement, que la connaissance, c'est lui qui fait une tourne sur les doigts avec ça. C'est lui qui n'a pas pu faire nanier pour engager dans la recherche de la connaissance, talabul ilm. Alors il fait une tourne les doigts. Il fait une néglige l'héritage qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient quitter. Alors, nous vous trouvez qu'il nous a machaïk, nous a ulama, pendant 14 siècles et demi, ban sahaba radiallahu anhum ban ta'abin et tout ban les récents cours, je t'y mets la vie dans la connaissance. Dans tout, qu'il y côté akida, qu'il y côté fit, qu'il y côté tasawuf, qui fait ibadat beaucoup, mais c'est moi, nous vous trouvez ban mutasawufin, ban grand machaïk dans tasawuf, de faire beaucoup ibadat, mais connaissance là, mais je ne mets ça premier. Malheureusement, aujourd'hui, on vous trouve beaucoup du monde, je fais ibadat beaucoup, je dis aux autres dans tasawuf, je te fais beaucoup ban zikar, tout ça là, oui, bien bon. Mais c'est moi, je néglige la connaissance. Finalement, vous trouvez les LM qui s'éteignent à trappe là, parce qu'ils ne pas connaît. Alors, le Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, il montre nous qui quantité, un du monde qui a la connaissance, dit, shaitan PLI, qui quantité, il n'a pas wal au shaitan, comparé avec un du monde qui peut la connaissance, mais qui existe peut faire ibadat. Hein, Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, rahmatullahi alayhi raus. Qui quantité ils mettent l'emphase ou la connaissance. Malheureusement, aujourd'hui, nous boutons, dans l'histoire, Cheikh, oui, nous boutons, sur un karamat, un miracle qu'il finit faire. C'est moi, nous faire abstraction de quelque chose qui plie important qu'il finit mettre devant nous. Comment dire, s'il est là, qui est-il pour dire à nous, qui conseille, il pour donner nous, si, ou à l'côté, ou j'ai dit, Cheikh, donne-moi un conseil. Quand nous guettons sur biographie, comment dire, première quelque chose qui vient dans nous la tête, il pour dire où à l'apprendre, ou soit vient apprendre. Et là, il y a des gens qui ont été morts, qui si je me trouvais mon dernier moment, ils venaient là. Voilà, pour le mort, pour venir là. Qui est-ce que je faire à l'apprendre? Les films, depuis un adolescent, qui est-ce faire? Il quitte ce endroit, quitte ce moment, voyager avec tout le péril qui s'est impliqué, venir dans Bagdad, qui faire? Pour apprendre. Quand il finit apprendre, qui est-ce qu'il faire? Il finit propose ça. Ça, il est connu comme un centre autour de lui et un étudiant. Comment dire, il y a une centre, il y a un knowledge hub dans Bagdad là-bas. Hein, sa identité là qui nous vient reconnaître lui, parmi beaucoup dans les autres identités. Pas juste un dimon qui fait karamat, oui, définitivement, c'est un karamat bien, bien grand. Mais, quand il est passé pour y arriver là-bas. Donc, un quelque chose d'important, très, très important, c'est l'ilm, la connaissance. Qui fait l'in al-Bagdad? Qui fait l'ikit d'ilan al-Bagdad? Pour apprendre à cause de la connaissance. Parce que, là, nous sommes capables de dire qu'il y a un vrai héritier de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il ne faut pas nous priver nous-mêmes de ça. Hier aussi, on dit ça, aujourd'hui aussi, on peut dire ça, parce qu'il est trop, trop important. Il est trop, trop important, malheureusement, nous trouver aujourd'hui, nous, on met dans cet état-là, dans le système, l'éducation-là,
quelque part, il n'en panne. Nous devons trouver, nous devons grandir, nos bonnes enfants peuvent grandir, sa connaissance qui bizarre là, pas peut gagner. Nous ne pouvons pas lire le Coran bien comme bizarre, nous ne pouvons pas connaître nos dînes bien comme bizarre. Vous trouvez, Banjimoun, pas peut capable de pratiquer notre dîne bien comme bizarre, pas peut capable de faire la part des choses, quand Kafir peut faire sur l'attaque, Moussalman peut tomber dans piège. Vous trouvez, tous les jours, vous trouvez un nouveau secte qui peut venir, Banjimoun peut faire quelque chose en plus, parce qu'il dit, Moun pas connaît, il pense, il peut pratiquer dîne bien, tout ça là. Une des grandes causes maintenant, c'est le manque de la connaissance. Donc, vrai l'héritage de man prophète, vrai l'héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est al-ilm. Donc, nous retournons l'héritage matériel à terre. Donc, nous retournons le samaslala. Qui fait, man ulama donne nous man sagesse derrière. Qui fait, est-ce qui man prophète alayhi wa sallam, je dis bien matériel, pas partagé en héritage. Alors, nous trouvons. Une des premières raisons, c'est qui, ben, le prophète, alayhi wa sallam, j'étais encore vivant. J'étais un passeport, l'étape intégrale, faire wafat. Mais seulement quand, dans notre kabbal, nous pas dire j'étais un mort. Nous disons j'étais vivant. J'étais encore vivant dans notre kabbal. C'est pour ça, derrière, que nous vous trouvez, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sur madame, ben, ummahatul mu'minin, je pas mourir après. Un dimon qui, donc, est vivant sur possession encore pour lui. L'autre raison encore, c'est qui, tout quelque chose qui est là, lui appartenait à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, se dit bien. Donc, là, nous pouvons être d'un point de vue spirituel. Alors, à plus forte raison, pour ben, Anbiya alayhi wa sallam, donc, il a sa considération là. Et dans les autres raisons encore, comme ben, Olama explique nous, tension, un parmi ben, héritier, un prophète, lui montrer un petit peu gourmandise. Vous connaissez comment il est passé dans l'héritage? Trop souvent même, surtout dans l'époque où trop ça, trop souvent même, il y a un ou soit plaisir parmi mon héritier qui sortit en déocade, par gourmandise, par envie gagne, plus que les autres. C'est là qui est arrivé. Quand il passe dans le cas ben, du monde normal, ça désordre qui est là, il est indescriptible bien souvent, il est chagrinant. Mais qu'est-ce qui est arrivé si ça passe dans le cas d'un prophète? Alors qui peut arriver ça du monde qui gourmand là? Allah pour détruire lui. Allah pour détruire lui parce qu'il peut faire ça pour l'héritage d'un prophète. Alors, pour qui ça va nous faire là pas arriver? Un des bonnes raisons, un des bonnes sagesse qui va nous expliquer, qui va nous expliquer nous. Pour qui ça a été quelque chose là pas arriver? Alors, ferme l'héritage là même. Une autre sagesse, une autre raison encore, c'est qu'il y a attention, il y a du monde pour dire qu'il y a ça, tel prophète, parce qu'il y a un prophète qui tient une richesse quand même. Qui, tel prophète, il y a ça, il ramasse la richesse. Il fait une grande richesse pour lui donner sa famille. Et comme nous prenons l'exemple, c'est un terrain qui est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam tiena. Il fait une donnée en sadaqa. Mais quand même, il s'y gagne ça, comment? Dans Khumus, ça veut dire un cinquième qu'il est supposé gagner. Après bataille, Khaybar, il gagne ça avec Banu Nadir, Banu Juif. Alors, attention, du monde pouvait dire que ça, il fait une gagne ça, il fait une capote ça pour sa famille. Attention, il y a une cause comme ça qui allait pour les autres prophètes aussi. Alors, pour finir ferme, tout ça, man, la porte là. Alors, ça, c'est quelques-uns, ban raison, ban sagesse qui fait, ban ambiya, alayhi wa sallam, ban richesse, je dis bien qu'ils ont été quittés, les pas partagés en héritage. Alors, nous faisons droit que Allah subhanahu wa ta'ala, de nos compréhensions, nous dîne, qui les fait nous gagner l'héritage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance, les pas prive nous de ça, les fait nous gagner, ban moyen pour nous apprendre, les faire nous vîn dans son bat. Banjimoun qui a connaissance, nous avons bénéficié avec eux parmi ceux qui ont été et qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte nous parmi l'héritier, ban héritier de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en termes de connaissance. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.